Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les trois raisons de changer de vie. Peut-être qu'actuellement, vous ne vivez pas du tout la vie que vous êtes imaginée à la base. Cette vie n'est pas la vie de vos rêves. Et vous avez réellement envie d'aller plus vers cette vie qui vous fait rêver. Donc, il y a trois raisons qui vont vous pousser à vous bouger et à aller vers cette vie de vos rêves. La première des raisons, c'est que vous n'êtes pas heureuse. Si vous n'êtes pas heureuse, il ne faut pas accepter de rester dans cette situation où vous n'êtes pas heureuse. Moi-même, j'ai connu ça pendant des années où je n'étais pas heureuse dans ma vie. Je ne faisais pas les bonnes actions finalement parce que j'étais dans une sorte de cercle vicieux où j'étais pas heureuse, ce qui faisait que je n'avais pas d'énergie. Et le fait que je n'avais pas d'énergie, je n'avais pas la motivation suffisante pour aller vers mes projets. Donc j'étais dans un cercle vicieux. Au bout d'un moment, j'ai dit stop, j'ai arrêté tout ça, je me suis coupée des personnes qui me maintenaient dans ce cercle vicieux et j'ai recommencé à zéro. Je me suis dit maintenant Nathalie, tu ne te trouves plus d'excuses et tu vas de l'avant. Premier point, si vous n'êtes pas heureuse, il faut changer, absolument. Vous ne pouvez pas vivre cette vie en étant malheureuse. Il faut que vous vous rendiez compte de ça. Ce n'est pas une vie, c'est de la survie. La survie, eh bien, ce n'est pas bien. Je suis désolée de le dire comme ça, mais voilà, c'est pas très... pas très recherché comme tournure de phrase, mais il faut vraiment pas rester dans un sentiment de survie, puisque en fait après ça va être les maladies. Moi j'ai une tumeur cérébrale, je vous souhaite pas d'en arriver là, donc il faut changer à ce moment-là. Peut-être qu'une des choses qui va vous donner le déclic de vouloir changer de vie, c'est que vous n'avez pas de liberté. Pas de liberté financière, peut-être que vous dépendez de votre mari ou de peut-être des allocations, des choses comme ça. Vous voulez changer de vie peut-être pour avoir plus de liberté. Alors liberté financière, liberté peut-être géographique, parce que votre patron est un endroit où vous avez envie de vivre de l'autre côté du monde, donc il vous faut peut-être un métier où vous allez pouvoir vous déplacer où vous voulez. Voilà, c'est peut-être cette liberté dont vous avez peut-être besoin. Peut-être que voilà, comme je vous l'ai dit, vous dépendez peut-être d'un mari qui n'est peut-être pas le mari idéal, vous avez peut-être envie de partir et bah, vous dites non, je peux pas, j'ai pas l'argent pour. Et bah, c'est une des raisons aussi pour lesquelles vous devez vous prendre en main pour changer de vie. Troisième raison, c'est que peut-être vous avez envie de voyager, de découvrir le monde, de vous faire plaisir, de faire du shopping, d'acheter une nouvelle voiture ou je ne sais quoi qui vous ferait plaisir. Eh bien, il vous faut également changer de vie si actuellement vous ne faites pas les bonnes actions pour avoir suffisamment de biens matériels, ce qu'il vous faut, hein, bien sûr, ce dont vous avez envie. Hein. Je dis pas que le consumérisme est bien, au contraire. Hein. Moi, je suis plutôt pour le minimalisme, mais si vous avez envie de ces choses et qu'actuellement, vous ne pouvez pas les avoir parce que vous n'avez pas le bon métier, parce que vous ne gagnez pas suffisamment ou que vous ne gagnez pas d'argent peut-être actuellement et que vous avez envie d'aller vers ça, eh bien, il faudra mettre les actions en place pour y arriver. Et pour ça, ben moi je vous donne beaucoup d'actions que vous pouvez mettre en place. Je vous explique mon propre parcours, comment je suis passée donc de la fille hyper timide, hyper introvertie et puis plus tard malade, très malade même, à une vie où finalement je réalise tous mes rêves. Donc si vous avez envie vous aussi de réaliser vos rêves, eh bien vous pouvez me suivre donc dans une de mes conférences qui s'appelle Nouvelle Vie. Je donne régulièrement des conférences sur ce thème puisque pour moi c'est extrêmement important de vivre la vie de ses rêves. Pour vous inscrire, c'est très très simple, il suffit de cliquer sur le lien juste sous cette vidéo, il y a la barre d'infos, vous faites simplement dérouler la barre d'infos, vous cliquez sur le lien et vous venez me rejoindre donc dans la conférence. Je pense que ça va vous apporter énormément de clés. Je vous donne des exercices également dans cette conférence que vous pouvez appliquer. Et vraiment, même si finalement vous ne retenez pas tout, que vous n'êtes pas intéressé par ce que je vous propose, il n'y a pas de souci. Moi déjà, ce que je veux, c'est vous apporter finalement des clés pour que vous soyez plus heureuse. C'est mon objectif premier à moi. Si vous en avez envie, eh bien, ce sera avec très très grand plaisir que je vous accompagnerai. Donc, si vous aimez mes vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Posez-moi les questions auxquelles vous voudriez que je vous réponde.
Donc voilà, sur la confiance en soi, sur la peur, sur le succès, toutes ces choses-là, ou d'autres choses également sur la peut-être sur le métier de prothésiste ongulaire, sur comment, je sais pas, comment devenir une très bonne prothésiste ongulaire ou la concurrence, je ne sais quoi. Posez-moi vos questions, puisque voilà, je préfère répondre à des questions qui sont posées que de m'imaginer que vous pourriez avoir ces questions-là. Ce sera plus juste et comme ça au moins mes vidéos servent vraiment. Vous servent vraiment. Je suis désolée, j'ai nouveau un peu trop parlé. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. À très bientôt. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite.